Bounce. Parce que j'ai besoin de faire un podcast. C'est urgent. Tout de suite? Ouais, tout de suite. Il faudra que tu te dépêches. Tu peux venir, c'est vraiment urgent. Ok, j'arrive. Ok, merci. Salut, ça va? Ça va? T'es venu? On fait de la route. J'ai tué un mec, hein, le passage. Ouais? Bon, on est parti. Elle est sortie. Franchement, merci de venir. How to do it like. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit podcast et aujourd'hui comme vous aurez pu le remarquer on s'est bien éclaté à faire la petite animation, j'espère qu'elle vous plaira. Et aujourd'hui comme podcast donc j'ai fait appel à un grand minecraftien pour moi, pour le savoir on va parler de Minecraft, voilà on a mis une image sur l'ordinateur. Et donc j'ai fait appel à lui parce que franchement il connaît bien mieux que moi le Minecraft et donc Hello voilà, tout le monde c'est ça Skyrim. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast parce que Zirex m'a demandé de le faire. Donc aujourd'hui on va parler de Minecraft, vous avez vu comment ça taille. Aujourd'hui on va parler de 4 sujets sur Minecraft. Donc c'est ce qu'on peut faire sur Minecraft, donc c'est-à-dire de base donc la survie, donc ce qui consiste à créer ses outils à vivre sur Minecraft tout simplement, le créatif, la redstone et le PVP. Comme moi c'est le PVP. Donc voilà, j'avais fait appel à Skyrim pour qu'il vous explique vraiment dans les détails ce que c'était que Minecraft. Et maintenant, le podcast va vraiment commencer. Là, c'était un petit peu les bases. Donc voilà, Skyron, merci de nous avoir expliqué les petites bases de la survie. Maintenant, il paraît qu'il y a des choses... Enfin, la survie, ça, on le fait dans la réalité, mais il y a d'autres choses. Ouais, le créatif, après, il y a... On sent quoi, le créatif? Le créatif, c'est le Minecraft en survie, sauf qu'en fait, on a l'inventaire. Donc l'inventaire, c'est... Les trucs où on range les objets, ça, je sais. Voilà, donc l'inventaire là. Et en fait, il est rempli par tous les blocs du jeu, sauf de 1 ou 2. Donc il est rempli par tous les blocs du jeu. Et donc on peut voler, on a un Moura. Voler. Merci pour cette précision, mais sinon il paraît qu'il y a des animaux. Ouais, donc récemment donc il y a eu la 1.8 qui est sortie. Oui, je sais, j'ai vu. Je la connais pas. Donc ouais, moi j'ai vu que la 1.8, enfin j'ai vu les autres mais pas vraiment. Parce que je joue que en multi ou je fais des maisons, quoi. Voilà, bref. Et j'ai vu le 1.8, donc c'est pas mal, il y a des nouveaux blocs, il y a des drapeaux, il y a des portes armures. Ouais, ça j'avais remarqué. Il y a un nouveau monstre qui s'appelle le gardien, je crois. Il m'a dit il est rond avec un œil, un carré. C'est ça, un carré avec un œil rond au milieu et une queue. Ok, et sinon, il y a quoi d'autre dans Minecraft? Donc après, il y a la base de base, c'est la redstone. Bien sûr, moi, je suis pas un redstoneur. Redstoneur. Du coup voilà, donc il y a la redstone. Donc la redstone c'est quoi? En gros, si on pouvait définir ça comme un truc réel, c'est l'électricité. En gros la redstone c'est ce qui permet de faire de passer un courant. Avec une torche de redstone, t'allumes les fils, les câbles, comme ça pourrait être dans la réalité. C'est ce qui fait tourner un courant, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Mais après faut gérer, donc on peut faire pas mal de choses. Hein. On peut allumer, éteindre le jour, on peut faire des mobs assez bizarres, donc les mobs c'est des animaux méchants.
des créatures hostiles. Créatures hostiles, ouais. Et donc on peut en créer, donc en gros on peut faire un Minecraft avec une boule dessus et tout. Enfin, c'est plutôt pas mal. Bon, après faut connaître les commandes et tout, tu peux les inventer, faut les chercher et tout. Et le truc que je sais aussi dans le Minecraft, c'est que tu peux changer de personnage. Le skin. Oui. Ouais, donc le skin c'est l'apparence qu'on a. Donc, par exemple là, voilà, on voit le Steve. On voit dans le miroir le Steve. Donc c'est le Jean Kevin en gros, parce que c'est le Mexicain, c'est le skin de base en gros. Et en fait, on peut changer ça à partir de Minecraft.net quand on est premium, autrement bah il y a pas mal d'autres trucs que je ne citerai pas pour les cracks. On peut changer de skin à partir de ça, mais les versions premium, c'est bien, on a acheté le jeu 20€ à 15€. Et sinon Minecraft, j'ai cru entendre qu'il y avait des multijoueurs. Qu'est-ce que ça parle en fait de multijoueurs? Multijoueur c'est un serveur où plusieurs personnes sont regroupées pour pouvoir faire différentes choses. Donc il y a le serveur, des gros serveurs comme certains pourraient connaître, iPixel, IVMC. Et de la pub. Et de la big pub. Donc les IP seront dans la description. donc bien sûr ces serveurs là vous pouvez pas y aller parce qu'il faut être premium. Voilà, donc nous on peut y aller par exemple. Nous.